Live streaming is on. Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Bonjour Arlène et bonjour tout le monde. Comment vous allez tous? Moi, ça va. Vous allez bien? Oui, et toi, Manu? Ah, très, très bien. Tu bronzes? Ah, ben non, c'est moi qui suis sur la plage, c'est pas toi. Ah, bah oui. C'est moi qui ai les mouettes. Eh oui. Eh oui, bien trop près de la plage. Parce que quand il y a de la tempête, ça ventaille, comme dirait l'autre. T'as du vent chez toi? Oh oui, il y a du vent. Il n'y a plus de vent chez nous. Là, c'est calme. Par exemple, il pleut, il fait beau. Il pleut, il fait beau. Il pleut, il fait beau. Et toi? Pareil. Ah ah, c'est pas drôle, hein? Oh non, c'est pas drôle du tout. Surtout qu'aujourd'hui, il a pris une averse sur la tête. Bah voilà. On se moque pas. Bon, il faut toujours être gentil avec ses amis. Ah là là, bah moi aussi, comme dirait l'autre, la saison, elle n'est pas top. Regarde Manu. Oui. Regarde qu'est-ce que j'ai là. J'ai un joli poignet. Ah oui, un joli poignet. Eh oui, je me suis cassé le poignet. Alors, désolée, mais jusqu'en septembre, ça va, vous allez avoir des émissions, car j'avais fait de l'avance. Haha. J'étais prévoyante. Voilà, je ne pensais pas me casser le poignet au mois d'août. Donc, actuellement, je ne sais pas ce qui va en être. Hein. Peut-être qu'il y aura certainement ou une opération ou autre chose. Donc, je ne sais pas quand je pourrai retrouver l'usage de mon poignet. Ce n'est pas les doigts. Les doigts, ils arrivent encore à faire des marionnettes. C'est surtout le poignet qui est cassé. Et comment je me suis cassé le poignet? D'une façon toute bête. Ah, Manu, c'est de ta faute. Non. Non, ce n'est pas de la faute à Manu. Non, c'est mon grand garçon de 22 ans qui trouvait rien de mieux que de venir me chatouiller. Du coup, j'ai voulu me sauver et quand je me suis sauvée dans l'autre sens, je suis rentrée de plein fouet dans ma belle-fille. Donc, résultat des courses, un poignet de cassé. Faut pas jouer avec ses enfants, surtout à 20 ans et 22 ans. Non, c'est pas bien du tout. Enfin, mais j'ai une belle fracture, donc pour l'instant, ça fait mal. Mais après, on verra. Donc, jusque début septembre, c'est-à-dire le premier dimanche de septembre, vous aurez des thèmes sur l'été que j'ai préparé. Hein. Donc, jusqu'à là, vous êtes bien. Mais selon le résultat, où on reprendra sur la logique qu'on faisait, donc les légumes et les fruits et les recettes. Hein. Ou sinon, on va devoir se débrouiller. Donc, vous aurez au minimum deux poésies par semaine. On essaiera de vous glisser ou vous repasser des émissions qu'on a fait durant les 2 ans déjà qu'on est là. Ce serait-ce que les hommages que vous avez fait, le spécial accordéon, le spécial saxo. Et en fonction de ma rééducation, je verrai quand est-ce qu'on peut reprendre les émissions normales. On ne vous laissera pas, on s'occupera toujours de vous, on va vous dorloter. Hein. Au pire, on fera des jeux de devinettes à Manu, on va se parler. À Manu. Oh oui. On fera des quiz. Quelle est la recette dans laquelle il y a tel et tel et tel ingrédient? Si vous trouvez, vous allez gagner un carambar. C'est les blagues carambar. Ah ouais, ça, on pourrait sortir les blagues carambar aussi. Oh cool. Oui. Les blagues de Toto, non, c'est pas drôle non plus. Enfin, on arrivera toujours à faire quelque chose, on verra. Mais c'est vrai que c'est pas très facile pour l'instant. Donc, mais cela n'empêche pas, j'espère que vous passez tous un très bon été, hein, que vous profitez bien, hein, parce qu'il faut profiter de chaque moment. Hein. Comme dirait-on, on ne sait pas de quoi sont les lendemains. Donc voilà. En tout cas, on pense très très fort à vous. On vous refera un coucou début septembre pour vous dire exactement
à quoi on va s'en tenir pour la chaîne pendant quelques mois. Hein. Et on ne vous oublie pas. Passez de très, très bonnes vacances. Manu, tu veux dire un petit mot à tout le monde ? Ben, je dis à tout le monde aussi de passer de très bonnes vacances hein, en famille. Eh oui, ben, il l'a dit. Oui, oui. Alors, en tout cas, on vous retrouve début septembre pour vous faire un coup. Et continuez d'écouter les émissions. Cet été, vous avez tous les crustacés, les fruits de mer. Il y a plein de choses à savoir, c'est très intéressant. Et les associations, pensez aux associations, parce que le problème, c'est qu'elles vivent souvent de dons. Donc, des associations comme les sauvetages en mer, hein, ils vivent de dons aussi. Nos héros, là, les pompiers, là, pour les interventions sur le feu, là, ça, c'est pareil. Ce sont des gens qui risquent leur vie. Mais c'est pareil, les pompiers, hein, quel que soit incendie ou accident et tout, eux aussi ont besoin de dons, hein, parce que beaucoup d'eux ont laissé leur vie dans les associations, hein. Donc, surtout pour tout ce qui est bénévole, hein, les bénévoles, ben voilà, c'est du bénévolat. Donc, voilà. N'hésitez pas, quand vous voyez des vraies associations importantes et d'utilité vraiment importantes pour tout le monde, hein, ben, n'oubliez pas de faire un petit geste. C'est important pour eux. Merci à tous et on vous retrouve début septembre. Au revoir. Manu, tu envoies la musique ? Oui. Ben, c'est parti. À la prochaine. À la prochaine. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu.